Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, c'est MRW48. Donc j'ai décidé de vous faire un petit let's play sur le dernier beat'em up sorti, le Streets of Rage No. 4. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et éventuellement à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous souhaite en attendant un bon visionnage et de bien vous éclater avec ce nouveau jeu. Allez les copains, j'espère que vous êtes en forme, nous voilà partis. Alors je fais pause, je vous montre les techniques de combat. Voilà, les premières techniques de combat, la simple technique carré, sauter avec la croix, ramasser par terre, lancer. Je vais te regarder en haut. Alors ce qui est encadré en jaune, là, ce sont des coups spéciaux, mais il faut faire attention, je vais vous montrer, ça enlève de la vie. Ça fait une petite barre verte, je vous montrerai. Il faut tout de suite, après avoir fait ce coup-là, tout de suite taper un autre adversaire pour recouvrer sa vie. Voilà d'autres techniques de combat. L'attaque blitz, j'ai un petit peu de mal. Je vais essayer de la faire. Là, vous voyez, c'est les deux coups vers la droite plus carré. Ta carrière, tous les autres, il n'y a aucune difficulté. Et la grosse attaque, c'est l'étoile quand on use une étoile. Alors là, ça c'est démentiel. C'est triangle plus rond. Les petites culbutes, tout ça, je vais vous montrer. Et effectivement, vous voyez en bas à droite, lorsqu'on fait ces deux mouvements, on n'est pas en danger par rapport à nos adversaires. Allez, on commence. Donc déjà je vous montre, on saute, voilà, ça c'est croix, carré, carré, on peut aller dans les deux sens, vous voyez, hop, là, je sauter, tac. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore d'autre? Ça c'est le coup spécial en appuyant sur triangle. Mais si vous regardez en haut, regardez, il y a une petite, juste au-dessus de l'étoile, il y a une petite barre verte. Ça veut dire que si je tape pas d'autres adversaires, hein, bah, j'ai perdu cette petite barre verte. Va se retrouver en noir si ça sera de la vie perdue. Donc il faut que je tape des adversaires. Vous allez voir, regardez, je tape les adversaires. Bon là il m'a tapé, il m'a donné un coup de couteau, donc j'ai perdu ma vie. Donc là je ramasse ça. Allez, paf, là j'ai fait une petite saisie et une projection. Donc saisie, on se dirige vers le personnage. Projection, on fait un carré. On appuie sur carré, pardon. Alors lui il m'énerve là, celui qui est en jaune, parce qu'il fait des coups de pied dans les jambes, enfin des glissades dans les jambes, voilà, et puis il fait des chopes comme ça. Donc je vais essayer de m'occuper de lui. Tiens, paf, tiens, mange ça. Voilà. Alors eux, là, au début, c'est vraiment pour nous apprendre. Voilà, faut faire un maximum de coups. C'est pas le plus agréable à faire, mais c'est ce qui nous rapporte pas mal de points quand même. Allez, faut essayer de casser au maximum. Non, pas en sautant, voilà, hop, je vais prendre la pomme. Manger des pommes, ça donne des vitamines. Et on vit plus vieux. Allez, hop, un petit coup. Ah, ça me rapporte des points. Alors attention, lui, il a un couteau. Faut essayer de l'avoir en sautant. Lui. Voilà, mais pas dans le vide comme je fais là. Tac. Allez, tiens, mange ça. Allez, couteau. Ah mince. Ouais, je vais lancer, mais je me suis fait avoir par derrière. Allez. Vous voyez ce que je vous disais? Le coup sauté. Glisser, sauter. Fait par les punks là. Et ça les chope aussi. Faut se méfier. Oui, mais commence un petit peu à m'énerver. Voilà, j'ai fait un coup spécial. Regardez la petite barre verte tout en haut. Et là, ouais, en retapant celui-là, vous voyez ma barre verte s'est retransformée à nouveau en barre orange. Lui, je lui ai lancé un petit coup de couteau. Allez, tac, coup de genou, ça faisait bien aussi ça. Lâche, il m'attaque par derrière. Vous avez vu qu'il s'est entouré d'une couleur rouge, ça veut dire il s'est empli d'une force un petit peu plus importante. Alors tiens,
prends un petit coup de couteau, ça fait du bien. Et n'oubliez pas de casser un maximum de choses. Ah voilà, j'ai recouvert toute ma vie. Le poulet. Poulet rôti, c'est toujours bon. Ça se trouve retourner. Il m'a encore fait une chope. Voilà, ça c'est un coup que j'aime beaucoup faire aussi. C'est on se dirige vers le personnage, on fait une chope et on appuie sur croix. J'essaie de vous le refaire. Allez, on bouge ça là, parce que l'autre il m'énerve. Tiens, toi tu m'as vraiment agacé, l'ami. Voilà, coup de pied. Alors, je vous disais, pour faire les chopes, moi ce que j'aime bien c'est que je donne un coup et je dirige avec le stick analogique gauche. Mon personnage vers le mob, vers l'adversaire. Là il m'a donné un bon coup de barre là. Et là moi je fais un coup dans le vide qui sert à rien. Et j'ai perdu beaucoup de vie. Attention derrière. Ouais, j'ai fait n'importe quoi là. Ça c'était mérité. J'ai perdu ma vie, c'était mérité. Allez, un petit coup spécial. Coup de genou. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire là. Vous voyez, je l'ai chopé, j'ai appuyé sur croix. Donc j'ai fait une sorte de pirouette au-dessus de sa tête. Et j'ai appuyé sur carré pour lui éclater le crâne par terre. Voilà, c'est le couteau. Voilà. Et tac, tiens, prends ça à l'ami. Vraiment, vraiment très très fluide ce jeu. Je suis pas de si près, toi. Il y a possibilité aussi de rattraper au vol les objets qu'on lance. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Est-ce que je peux la reprendre? Ouais, je peux reprendre ma barre. Donc comme je vous disais, il est vraiment très fluide et ça se joue super bien. C'est très jouissif. Si on veut se calmer un petit peu les nerfs, hop, une petite partie de Streets of Rage. Ils ont su mettre au goût du jour un ancien jeu. Là, ils ont vraiment été très forts. Les graphismes sont fantastiques. Bah, évidemment, c'est un graphisme propre à ce jeu. Hein, évidemment, c'est pas un Uncharted ou un The Witcher, on est d'accord. Allez, tiens, coup de boule. Le poulet, je me le garde pour après. Allez. Là, je me suis fait projeter encore par le punk. Qui va se prendre un coup de savate dans la figure. J'aime bien ce coup quand même, lui, là. Coup spécial. Alors, j'essaierai justement, durant ce let's play, d'utiliser les différents personnages mis à notre disposition. Lui, c'est Axel Stone. Axel, la pierre. Allez, un petit coup de poulet. Oh, il n'y a rien. Ça, c'est l'arnaque. Allez, je reprends le couteau. Oh, génial. Ils sont écrabouillés. Petit coup de couteau. Petit coup de couteau. Derrière. Hop. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, c'est moins spectaculaire, mais c'est vraiment ce qui rapporte plus de points. Donc, je vous ai dit également, n'hésitez pas à tout casser. Allez. Parce que vous voyez, hop, petite surprise, une étoile. Ah oui, ils arrivent en bande. Ah oui, alors je vais vous montrer, j'en profite pour vous montrer le coup spécial. Ça, c'est le coup spécial. Vous voyez, j'avais deux étoiles, il me reste plus qu'une. J'ai appuyé sur triangle et rond. Et ça fait un très grand nombre de dégâts aux adversaires. Généralement, on se le réserve pour les boss. Hop, voilà, c'est ce que je vous disais. Là, j'ai fait une chope. Croix pour sauter par-dessus et carré pour lui éclater la tête. Et là, c'est une projection. C'est fait une chope et uniquement carré en dirigeant le stick analogique gauche. Hop, paf, voilà. Et là, ce qui est intéressant, il faut toujours regarder à droite ou à gauche s'il y a d'autres adversaires. Comme ça, on projette celui qu'on a chopé vers eux, ce qui nous permet de leur faire des dégâts. 1, 2, 3. Ah oui, oulalala, il y a Monsieur Robot qui est là. Lui, il m'agace quelque peu. Pour l'instant, ça se passe bien. Aïe.
Quoi, vite, vite. Alors, il faut que je l'évite, il faut que j'aille derrière lui. Ah, j'ai pris ça assez rapide. Il y a moyen de les éviter. Faut faire super attention également quand il saute. Parce que quand il retombe, il nous retombe directement dessus. Et tiens, je vais te l'envoyer, ça, mon ami. Allez. Aïe! C'est quoi, c'est une rose qu'il y a dans les... Arrête! Les coups spéciaux là, ça y est, je l'ai tué. Vous voyez la petite barre verte en haut là? Allez, la suite. Bon, lui c'est le... Il est énervant, lui. C'est le personnage hautain. Et voilà, c'est ce que je voulais faire. Vous voyez les petits. Des câbles avec des. Certaines ruptures qui laissent passer l'électricité. Tiens, prends ça, toi. Si. Sors les mains de les poches, toi. Tiens. J'aimerais bien leur. Qui s'électrocute tout seul. Pas faire le malin parce que moi je vais éviter de mettre les pieds dessus quand même. Ouais, une pomme, fait toujours du bien. Ah, viens la mettre. Coup de boule. Allez. Viens la manga. Voilà, il s'est électrocuté tout seul, tous les deux. Voilà, ça j'adore. 6 coups. Toi, tu vas pas m'embêter avec tes chopes. Hein. Ah, oulala. Derrière un poteau, les gars. On voit plus rien. Bon, alors là, il va falloir que j'essaye d'être malin. Voilà, donc c'est-à-dire pas faire ça. Il m'énerve avec sa tête, lui là. J'en ai connu des mecs comme ça là. Ils prennent de haut. Tiens, prends ça. Et en plus, il est électrocuté. Moi, je voudrais mon étoile sans me prendre un coup de jus. Donc ça, j'ai fait n'importe quoi encore une fois. Et ouais. Réussi. On y va, tiens. Joli. Et ouais, vous voyez ce que je vous disais? Il faut vraiment regarder quand on fait la chope avec un mob adverse. Là, on regarde ce qu'il y a à droite, à gauche et en fonction, bah, soit on le projette. Soit on reste du même côté et on tape ses adversaires avec. N'oubliez pas de tout casser. De l'argent, ça donne des points. Là, je vais d'abord casser les tonneaux. Ah, voilà un poulet, c'est bon ça, chicken. Bon, là, il n'y a rien. Et alors là, j'ai ma barre et je vais le balancer parce que voilà, y a l'autre qui m'a. Voilà. Je la ramasse et il y en a un autre qui arrive et je rebalance encore ma barre. Et je la récupère. Non mais je vais pas me laisser faire. Voilà. Et là, oi. On arrive avec Madame Serpent. C'est la boss de ce premier niveau. Qui fait d'énormes dégâts d'électricité. Avec son serpent qui m'agace. Aïe. Hop, un petit coup spécial. Ah, j'ai pas réussi à sortir. Sa barre de vie à elle, c'est la barre violette qui est en bas. Tiens, madame. Tout serpent. Vite, sors. Ouais, mais joli. Fait mal. Un poulet. Voilà, vous voyez, j'étais trop gourmand. J'aurais dû donner deux coups et ressortir pour éviter son coup. Allez, sors. Oh mince, de justesse. Il y a encore les mecs avec les mains dans les poches là. Et voilà, belle petite protection. Sors, c'est bien.
crois que je vais déclencher quand même un coup spécial là, parce que vous voyez, même si on saute et qu'on tombe sur la limite, on se prend le choc. Ah, il m'a attaqué par derrière avec son couteau, lui. Voilà, je saute. Et voilà. Il faut que je me dirige quand je saute, en fait. Allez, les gars, venez. Il y en aura pour tout le monde. Tiens, machine. Machin. Sors. Je vais essayer de me prendre la barre, là-bas. Ça fait toujours du bien ça. Alors là j'ai utilisé une étoile, ça fait bien descendre sa vie. Il sort, purée. Ah si, j'ai réussi quand même. Allez. Alors, là j'ai pas eu de bol. Là je suis désolé mais j'ai pas eu de bol. Mec il se plaint. Et ouais. Et là le punk. Aïe. Oh, il m'a foutu un coup de boule. Aïe! Mais c'est pas possible! Elle a plus de vie! Ah bah ça y est, voilà! Allez, ça y est, c'est fini! Allez, les amis, j'espère que vous serez bien amusés! Portez-vous bien! À la prochaine!